Et salut à tous, c'était Kess, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve sur The Sickle, donc The Sickle, un petit jeu free to play. Comment dire, allez. C'est du Battle Royale, mais c'est pas du PVP, c'est du PVP PVE, c'est très très bizarre. Enfin bref, ouais, je vais vous montrer. Donc on est pour la saison 2, donc Rise and Fall. Donc, qui est disponible pendant 67 jours, 23h et 43 minutes le 7 février. Donc, il y a un pass de combat disponible, hein, comme vous pouvez le voir. Pas mal de skins, comme surtout les Battle Royale actuels, hein, comme je dis. Par exemple, j'ai peut-être baissé un peu le son de la musique. Audio. Volume de la musique. Elle est bien, hein, mais. Peut-être se calmer. Voilà. Donc dans ce jeu vous avez trois factions, donc Karolev, Osiris et Isea, qui sont chacune spécialisées dans des trucs spécifiques, enfin dans des trucs, elles sont spécialisées, c'est des trucs spécifiques, qui ont chacune leur spécialisation. Donc comme vous pouvez voir, ça par exemple c'est une arme Osiris, donc il faut débloquer de chez Osiris, ça c'est une arme Isea, et ça c'est une arme Isea aussi, et ça c'est une arme Karolev. Donc à chaque fois vous avez des armes qui sont différentes et vous pouvez voir ce qu'il y a. Donc moi ça c'est mon perso. Hop, est-ce que je suis toujours dans le matchmaking? Bon, on se retrouve une fois qu'on est dans la partie, hein. Bon, on va s'amuser un petit peu dans l'entraînement virtuel. Donc il est disponible pas dans le truc. Ok, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ok. Donc voilà, donc là vous avez toutes les armes. On va prendre le karma. Alors qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, 800 de dégâts quand même, hein. Pas mal, hein. C'est quoi ça? Ah, ah ouais, ok, c'est pour acheter. Donc j'ai. Oh, par exemple, acheter ça. Hop, si. Hop, hop. C'est bien qu'ils aient mis un petit truc comme ça disponible pour pas dans le matchmaking. Au moins, on se fait pas trop chier. Ah non, c'est pas. Je pensais que c'était mes traces de tir. Mais. Ah ouais, ok. Donc là, c'est tout ce qui est close range. Enfin, close range. Mid range. Ah bah voilà. On a trouvé une partie, les gars. Let's go. Je vais pouvoir un peu plus vous expliquer pourquoi c'est du PvE et pas du PvP. Enfin, si, c'est du PvP, mais pas vraiment. Ah, j'ai de jouer avec ça. Oh, il y a un hub. Avant, il n'y avait pas de hub comme ça. Je sais pas ce que c'est, mais. Starmani, le solitaire. Ah, ça c'est la map. Ok, donc là vous pouvez voir, moi j'ai un jetpack. Il y a d'autres trucs qui sont disponibles, hein. Comme non, il y a le jetpack, il y a un truc qui permet de courir plus vite, il y a un truc qui a plus d'armure. Oh, ouais, je sais pas si on. Le voir, ouais, non, je pense pas qu'on puisse le voir pour le moment. Ah, en tout cas, c'est vachement classe. Il y avait pas ça avant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans son pod? Sérieux? Ah, je pensais qu'il fallait réellement rentrer, que c'était RP et tout, mais non, c'est bon. Je veux dire, si tu rentres pas, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, oh là on a spawné, donc j'ai vu qu'il y avait un grondeur, donc un mob, et vous allez voir. New contracts available. Complete as many as you can, and then get off this rock before the storm finishes you off. Ok. Par exemple ici. Voilà, hop, par exemple ici j'ai des mobs qui me font gagner de enfin, du fric et de l'XP. Hop. Donc par exemple ici j'ai mon magasin où je peux acheter des armes, des accessoires, tout ça. Et je dois surtout remplir des contrats en attendant. Ah bah là-bas j'ai un truc. Donc on voit sur la map, il y a un genre de petite flamme, la rose. Et c'est un contrat à faire. Hop. Normalement ça c'est un petit. Ok.
Note that the drill will attack hostile creatures. Notice, get recalibrated to match increased operation performance. Je peux peut-être pas mourir s'il te plaît. Voilà, merci. Provide more minerals, but take longer to complete and attract more and tougher creatures. Donc par exemple ici je suis niveau 1, j'appuie sur L et là je vois que ma vitesse elle est plus 10%, vous voyez, c'est avec le kit que j'ai sur moi. À chaque fois que je prends un level, ça augmente un truc sur moi. Après normalement là-bas il y a des loots, peut-être qu'il y a un loot bien, j'espère. Ah, il y a un joueur pas loin, on l'entend, vous voyez. On entend qu'il se fight avec des mobs. Hop. Du coup, j'ai toujours 101. En fait, j'aimerais bien avoir 150. Ouais, ça, c'est un difficile, hein. Je vais peut-être pas y arriver. Mais bon, au moins, j'ai du fric. Donc on peut faire des alliances si on veut avec les joueurs, ce qui est vachement plus intéressant hein, à faire que de tirer sur tout le monde. Oula, par contre je prends cher en fait hein. Est-ce que tu veux bien mourir? Merci. Bouger, hop, directement on prend la tourelle. Ouais, on va la mettre sur eux. Et du coup, c'est ici, mais ça va bientôt finir, hein, mais voilà. Hop. Ah. Hop. Si je reprends ça. En espérant pas me faire attaquer par le gars. Donc voilà, et là je fais. We need more minerals than before, Prospector. We need more minerals than before, Prospector. Là, par exemple, ici, vous voyez, j'ai mis ma tourelle, bah, elle tire sur les mobs. Ça m'aide, c'est pour ça que j'aime bien avoir la tourelle. Hop, ça aussi, ça c'est pour les crafts. Est-ce que je peux pas la... Non. Ah si, voilà, je peux la... Ok, donc là, par exemple, je ramasse des plumes de Kalmi. Donc pour les crafts, hein, pour pouvoir crafter des trucs. S'il y a une grosse quête. Avec attention. Bah, du coup, rien dedans, en fait, hein. je me suis peut-être farnaqué là. Hop, on va essayer de faire un truc là-bas. Je vais attendre pour que ma tourelle soit remise. Ainsi, je peux tuer les mobs avec. Ce qui sera plus simple. Vas-y, hop. Merci. Ici, je vais mettre celui-ci. Voilà. Voilà, ce sera déjà un peu plus simple qu'avant. Bon, tu vas prendre très cher, mais... Vaut mieux elle que moi. Hein. Oh, bah j'ai plus de tourelle, du coup. Voilà, par exemple, là, je suis niveau 3, régénération du truc, plus 30%. Hop, G, s'il vous plaît, je vais prendre ceci. Merci. Hop. J'aurais peut-être dû prendre l'autre, vu que je suis en close range pour le moment. Hop, on va mettre la tourelle. Comme ça va nous aider. Hop, et voilà, et du coup je récupère ici. J'ai eu à mourir, merci. Et elle me cover pendant que je récupère. Ouais, ça c'est sympa. Voilà. I think we need more minerals this time, Prospector. Look around. Gagner des points avec des minéraux, voilà, 3 sur 5. Ici j'ai combien? J'ai 306, donc je peux améliorer, vous voyez, par exemple porter plus de 100%, plus 15%. Mais je vais surtout prendre ça pour aller plus au CAC. Si ça c'est de l'argent. Là-bas il y en a encore. Donc vous voyez, c'est ça, pendant tout le long. Vous voyez ici il y a encore des minerais à prendre.
Il y a un joueur là-bas, vous voyez? Si je veux, je peux faire un pacte. Ah voilà, et vous voyez, du coup c'est mon pote. Donc là maintenant on est potes. Je ramasse ça. Bonjour copain. Par contre, je vais prendre mon arme de cac et on va aller vers quelque chose. Comme par exemple là-bas, c'est là où on s'extracte normalement. Looks like progress bar for uplink relay is almost full. Switching soon. Switching soon. Hop, là je mets ma tourelle. Elle va s'occuper des mobs. Pendant que je vais aller prendre ça ici. En vrai là, il faudra pas que je prenne ça. Voilà, c'est pour ça que j'avais pris. Voilà. Forge en cours là-bas. Ah si, j'ai encore ma tourelle. Je veux dire... Mais non, j'ai plus de tourelle. La fois elle est mal mise. C'est pas sympa ça. Hop. Du coup, on peut continuer d'avancer. Ici normalement, il y a aussi des plus gros mobs. À certains moments. Comme là, vous voyez, là il y a... Des mobs, c'est Mais lui, par contre, il a toujours petit pistolet. Ah, par contre, c'est des touches en américain. Ça marche pas le switch. Il est où? Ah, il est là. Voilà. Et par exemple, ici, vous voyez, si j'appuie sur T, ben, je peux rompre le pacte. Alors ici normalement il y a un truc à faire, mais je sais plus du tout quoi. Non. Non, c'est avec ça. Ah, déjà là-bas il y a un truc. Nice. Ah, c'est lui qui a appelé un... Il est enfin une arme. Du coup, je vais peut-être rester avec ça. Parce qu'à tout moment il peut rompre le pacte. Voilà. Du coup, j'ai magasin. Vous voyez là par exemple, j'ai augmenté ça ici. Et ça ici. Alors, on reste encore 100, voilà, je vais augmenter ça. Ah, je pense qu'il se bat. Ah, c'est là-bas, ça se bat. Alors, soit on se bat avec. Que j'ai décidé de faire, mais j'aurais peut-être dû le faire avec cette arme là du coup. Voilà, hop, et du coup hop, ici ça me paraît bien. Ah ok, il a l'air de savoir jouer hein. Ah, je vais sûrement mourir, putain. Bon mais bien joué à lui. Ouais, peut-être pas du... Ah ouais. Voilà. Voilà. Voilà, là par exemple on a le droit de revivre une fois. Enfin d'un coup quoi. En mode YOLO, comme j'ai fait ici. Donc voilà. Donc j'ai... Hop, voilà. Ici. Donc ouais, comme je disais, on a le droit de revivre une fois. En mode... On appuie sur F, dernière vie, quoi. Enfin vraiment le dernier bastion. Ça nous fait réapparaître quelque part aléatoirement. Des fibricoleurs, d'accord. Je termine un défi. Oui, par exemple là je suis 9ème. Que je joue pas très très bien. Et surtout que je joue que un seul truc pour le moment. Je joue que les trucs roses. Or les deux trucs qui sont vachement mieux. Hop, ici on va poser ça. Hop. Ah, on prend.
Ah, Maturel se fait défoncer en fait, hein. Voilà. J'essaie de trouver d'autres trucs que les trucs roses. Donc les trucs roses, c'est les cristaux qui sont là. Non, je sais pas, j'ai essayé. Ou alors j'ai peut-être essayé de m'extract. Ouais, je sais pas encore. Ah, je suis 8ème, du coup. Est-ce qu'il y en a qui s'est fait tuer? Ah, c'est pas loin ça. Là, il faut que je devienne ami avec quelqu'un, genre lui. Est-ce que je vais devenir ami ou pas? Est-ce que tu veux pas devenir ami? Ah! Vous voyez par exemple, lui là, il a refusé d'être pote avec moi. Lui. Osiris has left the research drones unattended. Lui, il va peut-être accepter. Ah, c'est bon. Bah non. Du coup, il est pas en pacte avec moi. Et par exemple là, il m'a fait très mal. Normalement, je le down. Ouais. Voilà. Et là... Ah bah, il a utilisé son truc spécial. Ah non, pas du tout. Ah si, là il a utilisé son truc spécial. Par exemple, vous voyez? Ou alors je l'ai tué? Je ne sais plus. Je sais plus vraiment. En vrai de vrai... Ah! Ok, on a changé d'arme. Par contre, je pense qu'il y a quelqu'un qui va arriver sur moi. Et vu que j'ai plus le truc justement pour me TP, enfin pour revivre, ça risque d'être un peu plus compliqué s'il y a quelqu'un qui vient. Vous entendez, il y a la... Il y a... On en voit que la tempête se fait de plus en plus. Et donc, au bout d'un moment, il faut vraiment avancer. Ça ici, hein, si ça va faire de l'XP. Et en attendant, je vais augmenter mes armes. A little bit of tinkering can do wonders. Hop, hop. C'est bon. Et aura guérisseuse. Ainsi sur mon. Ah, je peux me heal. J'aurais peut-être dû attendre avant de l'utiliser, parce que c'est juste. Bah non, ça a pas l'air d'être encore ouvert le truc pour Sagescape. En vrai, je vais continuer de jouer ça. Très difficile, oui. Je me suis demandé qu'est-ce que j'avais fait, mais bon. Parce que vraiment, c'était intelligent ce que j'ai fait, je ne pense pas. Donc, par exemple, ici, vous voyez, c'est très difficile. C'est full mob, quoi. Ah, vous voyez là par exemple, c'est un camouflage occultant, donc en vrai. Ouais, je me demande si c'est pas worse. Quoique le heal, je pense que ouais, c'est mieux. Le camouflage, ça me permettrait de partir plus vite, mais bon. Hop, je suis presque. Et non, moi je vais pouvoir ramasser. Voilà. Oh putain! Ah, I think we need more minerals this time, Prospector. Look around. Il est où? Ah, vous voyez par exemple là-bas, il y a une sentinelle alpha. Ce qui est pas vraiment super sympa. Ah ouais, mais lui.
Oh ouais, mec gros, mais il est trop bon lui. Ah, je suis mort. Je pense que... Voilà. Ah, à moins que je l'ai eu. Ah non, je l'ai pas eu du tout. Hein. Bon ben voilà, vous voyez, je suis mort. Mais du coup, je suis... Bon ben top 10, 10 sur 20. Ça va, c'est encore... c'est encore potable. Et voilà. Et du coup, j'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné? Je suis saison 2, niveau 2. Yes, j'ai gagné un sabre. Et j'ai fait mes trucs. Bon, bah du coup, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos sur The Sickle, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, le jeu est vachement bien, il est gratuit. Le lien sera sûrement dans la description si j'y pense. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, votre avis en commentaire. C'était TKS. Tchuss! Friendzone.